Sophie. C'est marrant que tu m'appelles, j'étais justement en train de penser à toi. Tu vas bien? Ouais, moi ça va, ouais. Qu'est-ce que je branle? Glande? Ah. Eh ben écoute, là je suis chez les Gonzagues, là. Ouais, je fais un babysitting jusqu'à 18h. Bon, ça va, c'est plutôt tranquille, hein. Les mômes? Ah bah écoute, pour être calme, ils sont calmes, hein. Ça fait 4 heures qu'ils dorment. Ah bah un Valium au coucher, un Gurons en réveil, c'est nickel, hein. Non, je déconne pas, c'est vrai. Mais non, mais t'inquiète pas, j'ai pris leur pouille il y a une demi-heure, tout va bien, y a pas de souci. Hein. Je suis pas totalement responsable non plus, hein. Mais oui, mais je... Ah bah justement, les voilà qui se lèvent. Ouais. Ouais, je... Anthony Romain! Anthony Romain! Descendez de là! Le tableau! Touchez pas au tableau, ça vaut moins une fortune ce truc-là, je... Bon, ouais, je... Oh, ouais, je te rappelle plus tard. Anthony Romain! Oh, les frères Brozor, là, au pied, dépêchez-vous! Tu veux que je m'énerve? Toi aussi, tu... Ah, vous voulez que je m'énerve? Eh ben, très bien, je m'énerve. Bon, écoute-moi bien, boucle d'or! Sur les 3 secondes, t'as pas fermé ta bouche, je mets le feu à tes cheveux, ok? Et puis toi, Calimero, là, je vais te baïonner avec ton doudou, ça va être vite vu, hein? Alors, c'est qui le chef ici? Ah, fais-moi les guignolos, là, hein? Non, bah, pleurez pas. Non, mais arrêtez de couiner, je. Eh ben, allez, c'est ça, toi, vas-y, je joue ta petite scène habituelle. Allez, vas-y, Anthony, queen. Bon, excusez-moi, les gars, je me suis emporté, je suis un peu sur les nerfs en ce moment, ça fait une semaine que j'ai pas. Bon, Anthony, viens faire un câlin, je te demande pardon. Viens. Oi, oi, oi. Oi, 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 mais tu sens la merde. Mais c'est pas possible. Mais tous les mercredis, c'est pareil, hein? Tu fais la sieste. La sieste, eh ben, tu chies en dormant, voilà. Ça doit être sympa dans tes rêves, hein? Bonjour, je suis Anthony, le prince de Cacaland. Je suis à la recherche de la princesse Moltonel. Viens, je vais te couronner sur mon trône. Ah, oh, je suis déçu, hein. Extrêmement déçu, vraiment, hein. Ça te fait marrer, Romain? Ouais, c'est cool, c'est cool. T'as quel âge, Romain? 9 ans. Bingo, bonne réponse, t'as gagné, tu vas changer ton frère. Allez, hop, 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 hop. Non, moi, je peux pas, ça me dégoûte, je vais encore lui vomir dessus comme la semaine dernière, là, je... Allez, dépêchez-vous. Il y a le téléphone qui sonne en plus. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, t'as vu le chef? Ah, ah. Oui, allô? Oh, madame de Gonzague, comment allez-vous? Merveilleusement bien. Oh, les enfants sont adorables. Là, ils sont partis se brosser le cul. Les dents. L'humour. Vous n'en avez pas trop. D'accord, très bien. Oh, ils ont très bien déjeuné, oui. Surtout Anthony qui vient de me le confirmer, d'ailleurs. Oui. Oh, bah écoutez, cet après-midi, nous réviserons quelque peu l'anglais. My terror is rich. Come on, fuck me, chocacao. Oui. Et ensuite, nous irons au parc Monceau, pécho des numéros de jeunes filles au père. Il fait chaud, nous irons prendre l'air. L'humour, vous n'en avez pas. Oui, très bien. Je vous en prie, madame de Gonzague. À plus tard. Ah, Romain, c'était ta mère au téléphone, là. Ça va pas très fort, hein? Elle est morte. C'est moche, hein? Bah, vous irez habiter chez la maîtresse de ton père, c'est pas grave. Mais je déconne, c'est du second degré, oh là là! Je t'ai déjà expliqué 250 fois, faudrait peut-être que ça rentre là-dedans, hein? Allez, bon, t'as fini la torchada avec ton frère, là, hein? Il est où? Dans la baignoire? Qu'est-ce qu'il fait? Le sous-marin? Il bouge plus? Mais t'es complètement malade, mais je... C'est du second degré. Espèce de bouffon, va. Ah, Anthony, viens par là. Essuie-toi, t'as du Nutella sur la joue, là. Bon. Les gars, il faut qu'on révise l'anglais. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Les animaux de la ferme. Ok, révisage, c'est parti. Bon, comment dit-on une truie? Eh ben, on dit... A tree. Comment dit-on une grosse vache? A big cow, c'est bien. T'aurais pu dire aussi my mother. T'as compris? Oui, alors oublie. Ok. Bon, bah l'anglais, c'est fait, hein? Qu'est-ce qu'on fout maintenant? Des blagues au téléphone? Oh non! Ok, d'accord, vas-y. Romain, tu prends le téléphone, tu fais un numéro au hasard et tu me le passes. On va bien se marrer, c'était comme la semaine dernière. Hein? C'est bon? Ouais? Oui, allô? Oui, bonjour madame, ici Rigolin des Femmes, la radio des comiques! Tout de suite, un an d'abonnement à ce Boom Magazine à gagner si vous répondez à cette petite devinette. Vous êtes prêtes? Monsieur et madame Tépoilu, on t'affiche, comment s'appelle-t-il? Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3, vous voyez pas? Monsieur et madame Tépoilu, elle s'appelle Sacha. Sacha Tépoilu! Comme la tienne, puis comme ton cul! Oh! T'as rien compris, tant mieux. Ah, qu'est-ce qu'on se marre quand même, hein. C'est cool, hein. Attends, ça ressonne. Oui, allô, j'écoute. Oh, madame de Gonzague, oui, que se passe-t-il? Oui. Le numéro de la maison s'est affiché sur votre portable. Oui, c'est pas possible d'être aussi con, sans déconner. Oui, dégagez, je veux plus vous voir. Eh bien,
bah écoutez, je suis le premier surpris. Mais si j'avoue, vous allez encore dire que c'est moi aussi. Oui, c'est moi. Ah, vous voyez, Ah, c'est facile d'accuser les gens avec des preuves aussi, hein. Je suis viré. Mais j'ai besoin de thunes, vous pouvez pas me faire ça, Mais attendez, alors moi, vos enfants, je les aime. Je les éduque, je leur fais des bons petits plats, je leur enseigne l'anglais, je suis comme un second père pour eux, et vous me direz comme un malpropre. Ah, mais je vois le tableau, hein. Bon, je le vois bien, le tableau. Par contre, vous, ce soir, je sais pas si vous le verrez, hein. Non, rien, c'est du second degré.